Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du site découverte-cambodge.com et je souhaite vous faire découvrir à nouveau dans cette vidéo le vrai visage du Cambodge. Voilà, donc nous sommes à Siem Reap qui est dans le nord-ouest du pays et j'ai décidé de faire un petit tour en vélo dans les petites rues assez moins touristiques, en dehors des grands sentiers touristiques, voilà, pour me faire un petit aperçu du Cambodge, du mode de vie des Cambodgiens. Voilà. Donc je vous laisse découvrir dans cette vidéo à quoi ressemble le Cambodge. Voilà, donc voici un petit marché. Voilà, une vendeuse de jus de canne. Donc, le concept est assez simple. La vendeuse va broyer de la canne à sucre pour extraire le jus qui sera ensuite vendu avec de la glace pilée. Donc, c'est super bon et c'est super rafraîchissant. Au Vietnam, il faut compter environ 40 centimes ou 50 centimes d'euros. Pour cela, et au Cambodge, les touristes vont payer plutôt 1 dollar, donc 70 centimes d'euros, pour un verre de jus de sucre de canne. Voilà, donc vraiment le Cambodge est un très beau pays. Le seul truc un petit peu dommage, c'est le non-respect un peu de l'environnement, quoi. On voit régulièrement des déchets un peu partout. Il n'y a pas vraiment de normes un peu de normes pour l'environnement comme il peut y avoir en France. Donc évidemment, les gens polluent très peu parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de voitures par rapport à la France. Il n'y a pas forcément beaucoup d'usines non plus. Donc le Cambodge reste un pays qui pollue assez peu par rapport à la France, mais on voit régulièrement des déchets des déchets par terre, des déchets qui flottent dans l'eau qui peut être noire dans les ruisseaux qui traversent les villes. Voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment un très beau pays, donc j'espère qu'à l'avenir, le Cambodge pensera à mieux respecter l'environnement, parce que c'est quelque chose d'important. Voilà, donc à votre droite, ici, ce sont des bananiers. Donc les arbres avec les énormes feuilles, ce sont des bananiers qui donneront les bananes qu'on peut avoir au supermarché. Donc c'est vraiment sympa. Et comme le Cambodge est un pays tropical, qui fait environ 30 à 35 degrés toute l'année, et les plantes poussent super facilement. Donc vous pouvez trouver de nombreux arbres tropicaux. Donc il y a vous pourrez trouver des bananes, des mangues, des papayes, des ananas et tout ce que vous voulez au Cambodge. Donc ça, c'est super sympa, franchement. Le Cambodge, c'est un pays super coloré, le ciel est hyper bleu, les arbres sont très verts.
vraiment ça fait plaisir quoi. C'est pas comme en France où parfois les villes sont un peu grises, le ciel est gris, les gens sont gris, voilà, ici tout est coloré. Voilà. Ce qui est intéressant aussi au Cambodge, c'est que il y a des vaches vraiment partout. Donc, lorsque je suis allé de Phnom Penh à Siem Reap, le bus a failli rentrer dans une vache, donc on a manqué un accident de vraiment peu. Voilà. Et il y a vraiment des vaches partout, même dans les villes, qui broutent tranquillement le gazon. Voilà. Donc, cette vache est assez grosse, mais il y a régulièrement des vaches extrêmement maigres, un peu comme celle qu'on peut voir en Inde. Voilà. Donc, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé.